Lalka, qui veut dire la poupée en polonais. C'est le titre du roman de Bolesław Prus, un roman qui concerne la ville. Lalka, c'est d'abord un roman sur la ville et les déplacements, puisque les personnages sillonnent la Varsovie de l'époque en long, en large et en travers. On considère que La Poupée, c'est le film qui a une ampleur énorme. C'est le film où il n'avait quasiment pas de limite en termes de budget. Et c'est un des films qui est le plus intéressant et le plus ambigu en termes cinématographiques et politiques. Donc ça nous intéressait beaucoup de retravailler dessus. Ça nous a fait prendre la décision de le ressortir en salle. Powieść opisuje nader przenikliwie i możemy nawet powiedzieć demaskatorsko europejskie doświadczenia całego wieku XIX. W powieści tej spotykają się różne żywioły i porządki. Porządek cywilizacyjny uwyraźnia porządek intymnego doświadczenia. Roztropność przenika się z szaloną, niespełnioną miłością. Pour nous, c'est important de reparler de Haas de manière régulière parce qu'il est important de reparler de ces réalisateurs qui étaient des réalisateurs majeurs dans les années 60-70 et qui sont, souvent pour des mauvaises raisons, sont tombés dans l'oubli. Lalka, c'est aussi un roman sur le progrès technologique. C'est le roman qui problématise l'illusion, mais aussi la société, la mauvaise attitude des uns et des autres, en particulier de l'héroïne, le personnage féminin, l'aristocrate Isabella Wenska, qui méprise notre homme d'affaires alors qu'elle-même témoigne d'une attitude tout à fait contestable sur le plan moral ou éthique.